Qu'est-ce qu'il y a? T'as mal où? T'as mal au ventre? Viens voir. Oh, il est mal au ventre. Déjà, il y a de la neige. Attendez, on ne me voit pas. On voit ma tête du matin. Voilà. Il y a de la neige, Lily? Non. Si, il y a de la neige dehors. Si, si. Non. Si, si. Non. Et Rémi, il a réparé l'ordinateur. Il a tout réinstallé. Alors, maman, elle va passer sa journée à faire quoi? À monter pour faire les vlogs. Les billes. Merci. Les billes. Merci Rémi. Merci. Mon sauveur. Oh là là. Rien. Et les chats non plus, ils feraient rien. Ils seraient perdus, hein, les pauvres. Le chien non plus. Le chien non plus, il vient d'avoir son petit. Il est bon le Dentastix? Oui. C'est bon les Catix Faction? Non. Bah. Vous êtes en train de jouer? Oui, ma soeur l'a fait un train. Quel bazar! Quel chantier! Oui, Lily l'a fait un train. C'est pas moi qui ai mis son bazar. Hein. Ah oui, 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 oui. Non, avec Lucas et moi. C'est Lucas et toi? Oui. Non. Non, pas moi. Et qui? Et qui? Votre œil. À moi. À moi. À moi. À moi. Coucou, on fait mon bulldozer Lego. Coucou. On est là. Ouais, on a presque pas fini. Hein. Ou non, on n'a pas presque fini. Et en plus, on a d'autres sachets à monter. Et là-dedans, il y a aussi des trucs du bulldozer. Il y a le toit, tout, la belle, la pelle, les bouts pour faire la chenille. Et le deuxième paquet, il faudra ouvrir. Il faudra tout faire. Il faudra ouvrir tous les paquets. Tu me trouves les trucs comme ça? Tous les paquets, c'est le bulldozer. Ok. Tu veux les poser? Oui. Tiens, vas-y, pose-les là. Et après, tu mets l'autre là et l'autre là. On met un lando. Vous êtes en train de jouer? Oui. Et c'est papa qui range la chambre? Non. Ah. C'est ce que tu as fait avec papa? Ouais. Voilà. Ah, attendez. Le nouveau engin de chantier de Lucas. J'imagine que ça bouge, voilà, c'est ça. Oui. Elle est comme ça. Elle est souple. Il va falloir te coiffer Lucas après là. Vous avez vu mon tracteur, il est super haut. Ouais. Bon les mamans, elle va ranger les courses. Oui, parce que je reviens des courses, je suis passée à la boutique bio. Juste à la boutique bio, j'ai pas eu le temps d'aller à Carrefour. Je pense que je ferai un drive. On me voit pas là. Là, on me voit. Donc, oui, j'irai à la boutique. J'irai à la boutique à Carrefour plus tard. Je vais vous faire voir ce que j'ai pris du coup. Je vais poser l'appareil parce que là, c'est trop lourd. Alors ça c'est un test, j'ai vu ça, je vais prendre, on va goûter. C'est des petits tortillas au paprika pour les enfants qui sont vegan et sans gluten. Au paprika, et j'en ai pris des roulés à la tomate. Donc je ne sais pas du tout ce que ça vaut. Première fois qu'on teste. Ça j'ai repris pour le lave-vaisselle. Attendez. Les pastilles, ça veut pas zoomer. Les pastilles pour le lave-vaisselle, pour mettre le sel. Voilà. Ensuite, j'ai pris 2 paquets de ça. Les enfants, ils aiment bien, sans sel. Donc, le deuxième. J'ai repris 1 pot de yaourt à la vanille. J'ai repris du tofu au curry.
j'ai repris 3 spéculoos parce que je vais refaire pour le chéri demain, c'est sa fête à Rémi, dimanche. Du coup, je vais lui faire un petit dessert qu'il aime bien et il faut du spéculoos. Voilà. J'ai repris des céréales aux enfants. J'ai pris de la farine de teff. J'ai pris des bananes, mais il y en a encore, dans un autre sac. Voilà, encore. J'ai pris ça pour essayer, pour faire la farine, pour faire la pizza, donc on va tester. J'ai pris de la farine de pois chiche. Alors ça, à la base, maintenant, j'utilise pour mes cheveux. Oui, 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 je me lave les cheveux avec de la farine de pois chiche. Je teste là, donc on verra ce que ça donne. Donc je mets de la farine de pois chiche, un petit peu d'eau et du sirop d'agave. Comme moi, je mets pas de miel, ça permet d'hydrater. Et ça, j'ai évité, ça fait 3 fois que j'y vais, ça fait 3 fois que je tombe dessus. Donc j'ai dit, allez, je vais le tester parce que c'est vegan. La composition, elle est à peu près, elle est bien. J'ai regardé en vitesse, elle a l'air d'être bien. L'odeur est bonne. Et j'ai vu sur des groupes de cosmétiques sur Facebook vegan qu'il y avait plusieurs filles qui disaient qu'il était bien. Donc comme moi j'ai les cheveux pourris et que l'huile de coco ça a tendance à m'alourdir les cheveux, j'ai pas l'impression que ça soit top pour mes cheveux l'huile de coco, c'est pas... Voilà, donc du coup je vais tester ça, on verra ce que ça va donner. Voilà, après bon il me reste mes petits sacs que j'ai pas utilisés, ça on le descend. Et maintenant on passe aux légumes, donc j'ai encore des bananes. J'ai pris une patate douce. J'ai pris 2 petits oignons rouges. J'ai plus l'habitude de porter la caméra, j'ai mal au bras. On va changer de bras. J'ai mal au bras à force de... Il faut garder les notices. Ah non, super. J'ai pris 2 butternuts, le deuxième. Il est là, on va faire un petit velouté. J'ai pris des pommes. J'en ai pris une quinzaine je crois, mais il en reste encore un petit peu. Mais bon, ça part vite à la maison. Là, j'ai pris 6 avocats. Ça, c'est quoi? J'ai pris 6 poires, je crois. Ça, c'est quoi? Des kiwis. J'ai pris une dizaine de kiwis parce que moi, je mange 2 kiwis tous les jours, minimum. J'ai repris des pommes de terre. Cette fois, il y en avait en vrac. Voilà, elles vont tomber. J'ai pris 3 poireaux. C'est pour faire une soupe ou des lentilles, je sais pas. J'ai repris des oignons. Et ça, je l'ai pris pour faire un truc spécial. Donc ça, j'ai pris un chou vert frisé. Et j'ai pris du brocoli. Donc je vais faire ça avec des courgettes parce que j'en ai pas mal encore au frigo. Je vais faire un bouillon. Je crois que la recette, elle est sur mon blog. Et je vais rajouter en plus là, du tofu fumé, je pense. Et le dernier truc que j'ai pris, c'est pour Rémi, ça, c'est du chou rouge. Il adore le manger en salade, comme ça. Voilà. Tu peux pas me taper. C'est ça. Je précise quand même. Je me suis coiffée. Enfin, j'ai essayé de faire un semblant de coiffure. Et monsieur vient de me balancer à la tronche du Perrier. Comme ça là. Voilà, il n'a plus hein. Je me suis tout pris en pleine tronche. Il n'a déjà plus en fait. Si, regarde mon visage, il est mouillé. Oh, c'est des larmes de ton corps. Ton petit cœur il saigne. Oh. Oui. Je t'aime plus. Allez. Si tu veux, oui. Allez, on y va. Prends le biberon de ta fille, elle va se déshydrater. Elle va se déshydrater. Lucas va vous faire voir ses chaussures. Ouais, c'est des chaussures de cow-boy. Les chaussures de cow-boy.
Allez, marche un peu. Ouais. Allez, descends avant de me faire des traces sur ma peinture que je vais galérer. Et Lily, elle est en train de mettre ses chaussures à paillettes. De cobra, de cougueur. De cougueur. N'importe quoi. Hé hey hey. Elles sont belles, hein. Coucou. On est parti se balader. Les chaussures de Lily. Oh là là. Il faut absolument qu'on leur achète des combinaisons par contre. Faut que je m'en occupe. Faut qu'on achète des combinaisons aux enfants. On peut aller plus au soleil ou je sais pas, plus au soleil. On s'est compris, mais là où il y a moins de... Regarde. Chérie, tu viens ma chérie? T'es contente, il y a de la neige? Oui. T'as les pieds mouillés? Non. Non? T'as le nez qui coule? Attends, regarde-moi, Bichette. Ouh, faut qu'on vous achète des combinaisons. Hein? On est parti sur les traces de Lucas. Boum! Boum! Premier gadin dans la neige. Debout! Debout! Oh là là! Oh là là! Lily, elle est toute mouillée! Oh là là! Lily, elle est tombée dans la neige. Oh, Lily est tombée dans la neige. Du coup, elle est toute trempée. J'ai pas de jean de rechange. Coucou. Coucou, Lucas. Attention, attention. Vous faites pas mal, hein. C'est pas une pierre, laisse ça, laisse là, laisse là, Lucas. Ah oui, c'est un bas. Ouais, ouais. Il fait pas super chaud. Ça ne veut pas faire le focus. Si, c'est bon. Il fait froid. Je dois être toute rouge. Mais ça veut pas faire le focus sur moi. Et je... Voilà. C'est bon. Je me suis pris une branche. Je suis pas du tout équipée moi. Mes chaussures ne sont pas étanches. J'ai les chaussettes qui sont trempées. J'ai pas du tout de veste chaude. Mes gants, c'est pas des gants pour. Il va falloir qu'on aille à Decathlon pour acheter ce qu'il faut, hein, parce que là, ça va pas du tout. Ça va pas du tout. Allez, bataille de boules de neige. T'es trop belle. Tu veux que je les prenne? On va poser ou pire? On va pas les poser, on va les oublier. Papa, oui. Là-bas. Ah, c'est pas grave. Il est rigolo. Super. Ah ouais. Trop cool. Fais voir un peu. Ouais. C'est là. Une prochaine fois, on aura une carotte, on fera un sapin. Et à maman, un sapin avec une carotte. Un bonhomme de neige. Maman, elle est fatiguée. C'est bon. Hein. Oh là là, l'erreur est humaine.
T'as pas froid, loulou? Par contre, j'ai mon aiguille-boule. Ah, t'as pas froid? Non. On va moucher le nez. Ouh. Je sais pas si vous me voyez bien, on vient de rentrer et je vais aller laver les enfants. Vous me voyez plus, vous me voyez. Coucou. Coucou. On a été jouer dans la neige. Avion, voiture. On a été jouer dans la neige. Avion, voiture. Hein, Lily? Lily est en train de mouiller tout le mur qui est pas toi. Non, 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 non. C'était bien la neige. Oui. Lily. Oui, c'était bien. Lily, elle va faire dodo. Elle est fatiguée. Tu me fais au moins un bisou avant, s'il te plaît. Tu veux pas me faire de bisous? Après, oui, mais moi je vais faire. Après, je vais aller voir Lucas. Un bisou, je vais te faire un bisou, moi. Moi, je vais t'en faire un. Non? Tu peux pas t'atteindre là. Bon, et eh ben à demain. Ah, doucement. Doucement, Lily. Bonne nuit. À demain. Coucou. Rien, dis donc. Non. T'as déjà trop, t'as trop vu. Elles sont où tes chaussettes? Bah tu vas être gênée. Oh, mon pantalon. Et j'aurais trop chaud cette nuit. Hein. Ouais. Ma blouse est super chaude. Mais elle est épaisse. Allez, on va aller au lit parce que toi aussi t'es fatiguée. Ça vous a fatigué le petit moment dans la neige. Hein. Tu me fais un bisou? Non? Bon, bah à demain, c'est pas grave. À demain. À demain. Bonne nuit. Bonne nuit.